Alors nous représentons la Bergerie Nationale de Rambouillet. La Bergerie Nationale de Rambouillet est un établissement public, une exploitation agricole qui a un élevage ovin et bovin, et ensuite une ferme pédagogique où on accueille des scolaires et on accueille plus de 90 000 visiteurs par an. Donc on a des chèvres, vaches, vautrés, lapins, cochons, poules et tout ça pour le plaisir du grand public le mercredi, samedi, dimanche après-midi et pour les scolaires toute l'année, sur réservation. Il y a des groupes qui viennent aussi Il y a des groupes sur réservation qui viennent, on leur fait une visite guidée. Ils peuvent faire des balades en calèche dans l'ancien domaine présidentiel des chasses, donc qui est maintenant le domaine national des chasses, des balades d'une heure en calèche avec les chevaux de trait. Donc soit sur réservation en groupe ou les samedis et dimanches après-midi en avril, d'avril à octobre. Les élèves qui viennent chez vous en formation, c'est pour préparer un Alors, CAP, non ? En fait, la Bergerie Nationale, c'est il y a trois pôles. Il y a le pôle CFA, il y a un pôle centre équestre, il y a la ferme pédagogique et il y a même un quatrième pôle qui est 3DFI, qui est du développement durable. Donc qui travaille dans le développement de l'agriculture durable, des manières d'informer les élèves. Et donc il y a plusieurs pôles. Et nous, on reçoit les élèves du CFA en formation sur l'exploitation et on reçoit des scolaires de la maternelle jusqu'au lycée pour faire des animations thématiques sur le beurre, sur l'élevage, sur la transformation de la matière, sur l'alimentation. Donc ils viennent soit en demi-journée, soit en journée. Et pour les plus petits, c'est une visite guidée d'une heure et demie où on fait une approche sensorielle. Notre clientèle, c'est des petits Parisiens qui n'ont jamais vu des animaux. Donc on leur montre ce que c'est qu'un lapin, on leur fait caresser une vache, un mouton, un cheval. Voilà, donc ça c'est sur toute l'année, sur réservation pour les scolaires. Le cursus, par exemple, pour les élèves, là, c'est... Alors c'est un CFA équestre. Donc il y a d'abord CFA équestre, donc ils commencent au CAP, donc ils peuvent sortir de la troisième et venir faire un CAP équestre. Et après, en niveau BTS, on a des BTS agricoles. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon là, comme le tourisme ? Alors nous on est venu entre guillemets pour animer dans le salon. On n'est pas venu pour vendre quelque chose, on est venu pour animer, pour égayer un peu le salon, que les gens puissent venir avec leurs enfants voir les animaux. C'est surtout ça le but. Après, à côté de ça, on communique sur justement les manifestations, les ateliers qu'on organise pour le grand public et pour les scolaires. Mais surtout pour le grand public parce que c'est les scolaires, on est déjà remplis. Donc c'est surtout une communication, ça nous permet de faire une communication vers le public. Quel est le prix d'entrée ? Le prix d'entrée, c'est 5,50 € par adulte, 4 € pour les enfants de 3 à 12 ans et en gratuit en dessous de 3 ans. Si on veut des informations, consulte votre site internet ? Exactement. Alors c'est bergerie-nationale.educagri.fr. Oh, le petit lapin !